Salut boss, pourquoi t'es agité comme ça? Ça te tente de mettre cette énergie à profit avec un showdown? Allez vas-y, tu pourras le rayer de ta liste après en plus.
Bon, allez, Bruno, je veux t'entendre le dire. On veut une annonce officielle. Est-ce que tu vas l'affronter? Comment on peut te faire mordre à l'hameçon? Eh ouais. Bon, James, je l'ai déjà dit, j'ai pas regardé ses courses. Et je vous l'ai déjà dit, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais, bon, c'est facile, non? Thank you.
Tu vois, quand Durand a dit « Ouais, je vais peut-être regarder la course, et si les performances sont là, je finirai bien par savoir de qui vous parlez », ou un truc dans le genre. Ouais, en gros, t'as déjà attiré son attention. Et croque un peu. Il se sent attaqué, je te le dis. Et il va répondre. T'as pas le choix. Hey, j'ai un nouveau circuit pour toi. Montre-nous de quoi t'es capable. Et j'espère que t'as amené tout ton talent avec toi. Parce que si tu l'as laissé à la maison, tu fais demi-tour tout de suite et tu vas le chercher. Tu vas en avoir besoin.
Ακούτε αυτό! Τι θόρυβος! Τι σαφό! We'll be right back.
T'as sorti le grand jeu et t'as attiré l'attention sur toi. Et quelqu'un en particulier t'a remarqué. Un certain Dimitri Smetsky. Le public est derrière toi. Alors montre-leur de quoi t'es capable. The Dirt Off-Road Series really looking to bring all the thrills and spills for this race.
On a de l'actu chaud patate pour vous sur le podcast Dirt. Et laissez-moi vous dire, c'est chaud bouillant, ça sort tout droit du four. Ouais. Après la conclusion du Dirt Showdown de ce week-end, on a Bruno Durand au téléphone avec nous. Bladam, bladam. Oh, pas mal comme sonnerie. Regarde un peu tout ce que tu as accompli depuis que tu es entré dans la discipline. Prends quelques secondes et remémore-toi toutes tes victoires. Souviens-toi de toutes les fois où tu as gagné, alors que tout le monde t'attendait au tournant. Pense aussi aux fois où ce n'était pas vraiment ton jour. Mais comment tu t'es relevé au quart de tour? C'est ça que les gens aiment voir. C'est ce que tes fans aiment chez toi. Parce que tu es toujours au taquet et que tu sais rester humble. Ne change pas surtout, ok? Reste concentré, travaille dur et reste toi-même.